Voici l'importance d'être fidèle à un seul agent de joueur. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne. Si vous prenez du plaisir réellement, vous savez ce qu'il y a à faire, vous partagez notre thématique. Ici, on conseille les footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur, vous savez, likez au maximum la vidéo afin que YouTube puisse mettre la vidéo très très loin et vous voyez. Abonnez-vous dorénavant. Si vous voulez aller plus loin dans mes conseils, un seul numéro, plus 229 53 63 87 30. Voici l'importance d'avoir un seul agent de football. Vous voyez, dès le jeune âge, si vous êtes très très bon, les agents sentent déjà le coup, ils rôdent autour des terrains et après un match, en week-end, ils vous approchent et bon, ils prennent contact avec vous. Si vous êtes en commune, ils prennent le numéro de vos parents. Après, ils vous rendent visite lors de vos matchs et ils regardent dans votre club amateur, bien sûr. Ils regardent votre progression et vous regardez au quotidien. Après, l'agent décide bien sûr de rentrer bien sûr en contact avec les parents et rend visite aux parents le jour où tu es là et le Graal vient. L'agent signe un contrat avec vous. Tu es mineur, ce sont les parents qui signent à ta place bien sûr. Après ce contrat, il continuera à te suivre et il suit ta progression. Il fait un travail de longue haleine jusqu'à ce que tu commences par éclore. Maintenant, si tu ne commences pas à éclore, c'est-à-dire tu ne commences pas à mijoter, tu ne commences pas à caresser le monde professionnel, vous allez voir d'autres agents viendront encore vous démarcher. Sachant bien que vous avez déjà un premier agent, ils viennent encore vous démarcher. Et le conseil qui est là, c'est quoi? Il faut vous concentrer à un seul agent. D'autres joueurs tombent dans leur panneau et ils rentrent en contact encore avec cet agent, ils discutent encore avec cet agent parce qu'ils rêvent que bon, le nouvel agent va m'envoyer dans un grand club et dans un club professionnel et je pourrai jouer là-bas. L'ancien ne fait aucun travail alors que c'est le gars qui t'a gardé depuis bas âge. J'ai suivi un peu le dossier Ousmane Dembélé avec son premier agent Martial Kodja qui l'a détecté et une fois arrivé au haut niveau, Ousmane Dembélé décide bien sûr de choisir ses cousins comme agent Moussa Sissoko et tout. On a vu la suite des blessures par-ci par-là et bon, en tout cas, après ils ont dédommagé bien sûr Martial Kodja et juste j'étais en train de parler. Bon, en tout cas, ça c'est juste une parenthèse, c'est un exemple que je donnais. Et vous voyez, les agents, une fois vous commencez par éclore, ils vont venir. Maintenant, le gros piège, c'est que vous vous confiez à eux et parce que vous dites que bon, c'est lui qui m'amènera forcément au haut niveau parce que lui, il a déjà fait pour certains joueurs que vous voyez jouer en Ligue 1 française, dans le championnat anglais, partout. Et vous vous dites que bon, je dois me confier à lui et vous vous confiez à lui. Et après, il n'a pas le temps parce qu'il a beaucoup de joueurs à gérer. Il a un carnet d'adresses énorme. Donc, il n'a pas assez de temps pour s'occuper de ta carrière et tout et tout. Et ta carrière commence par, en tout cas, balancer par-ci par-là. Quand tu es en difficulté, tu ne le vois plus parce qu'il a beaucoup de joueurs. Il a des joueurs déjà qui lui rapportent beaucoup d'argent. Et c'est ta carrière qui s'éteint comme ça. Le football, ça s'éteint à ton niveau. Et tu n'arrives plus à accéder au haut niveau, à toucher le Graal, alors que tu étais prédestiné à une grosse aventure footballistique. Et bon, tout est allé en fumée, en cacahuète, parce que tu as laissé ton premier agent. Et c'est comme ça. Il y a beaucoup de footballeurs dans ces conditions. Si vous êtes dans ces conditions, en tout cas, dites-le en commentaire, on essaiera d'en débattre. Faites confiance à votre premier agent. C'est très important. Votre premier agent, la base, faites-lui confiance. J'espère que, bon, je vous ai conseillé quelque chose au travers de cette vidéo, hein. Si je vous ai conseillé quelque chose, likez, partagez. Si je vous ai conseillé quelque chose, likez, partagez, abonnez-vous. N'oubliez pas, pour des conseils, plus 229 53 63 87 30. Ça va prendre du temps, mais ils finiront par comprendre. L'euro